tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Petite nouveauté, aujourd'hui je m'assois par terre. J'ai trop mal à la cheville et alors je sais pas comment je vais faire pour me relever du coup. Tant pis. Aujourd'hui nous sommes lundi 24 janvier. Il y a Victor qui s'exclame en live encore. Je sais pas si vous l'entendez mais moi je n'entends que ça. Et pourtant j'ai poussé la porte, hein. C'est incroyable. On est lundi 24 janvier et j'ai repris le travail aujourd'hui après 2 semaines d'arrêt. C'est vrai que je me suis pas mal ennuyée pendant cet arrêt, donc j'étais moitié contente d'y retourner, moitié mon dieu comment ça va se passer. Parce que bah, je vous l'ai dit, on n'est pas beaucoup de médecins dans le service et du coup bah, je savais pas trop comment ça allait se passer. Enfin forcément quand vous reprenez après, j'ai compté hein, j'ai passé 18 jours à la maison, c'est énorme. En fait j'avais pris jeudi, vendredi, je me suis fait une cascade magnifique dans les escaliers le samedi et après arrêt 2 semaines, donc en gros ça fait ça. Je suis revenue, j'ai fait énormément de choses aujourd'hui, j'en ai plein la tête mais j'ai quand même envie de filmer parce que vous me manquez en fait. Ça fait 2 semaines que je suis pas mal sur les réseaux sociaux et tout, et du coup aujourd'hui le fait de quasiment pas regarder Instagram et tout, parce que franchement j'ai mangé en 20 minutes, ça a été vite en sachant que je ne peux pas aller vite, donc je vais à mon rythme au niveau de la marche, je veux dire je me traîne dans les services, c'est incroyable. D'ailleurs là j'ai mal hein, tu sens que j'ai pas fait bah, que c'est pas remis en fait tout simplement, mais je me voyais pas prolonger mon arrêt. 2 semaines c'est déjà énorme, de 1 pour moi être à la maison c'est énorme, de 2 pour le service je pense que ça aurait été très compliqué d'être arrêtée plus longtemps. Vous me direz si je m'étais cassé une jambe je me poserais pas la question, mais voilà j'ai pris le parti d'essayer d'y aller tranquillement à mon rythme et c'est tout. Voilà, ce qui a été largement possible, globalement ça m'a fait du bien de revoir pas mal de monde, ça m'a fait du bien de sortir d'ici aussi. Après la route c'est un peu dur parce que, alors ça va c'est mon pied gauche donc l'embrayage bah il n'y a que pour arriver sur l'autoroute et sortir là-bas vers l'hôpital que voilà, mais sinon globalement j'en ai pas besoin sur l'autoroute, ce qui est cool, mais je sais jamais comment mettre mon pied. En fait c'est bizarre mais même quand je suis assise j'ai mal au pied quand il est d'une certaine façon par terre. Enfin bref, je suis obligée de le changer tout le temps de position. Il n'y a pas vraiment de position antalgique en fait et du coup ça m'embête un petit peu. Sinon je suis contente parce que du coup bah, j'ai pu reprendre, rattraper mon retard dans les vlogs, les carnets de bord de petite lectrice et je suis trop contente. D'ailleurs je vous l'ai pas dit encore parce que bah, je vous ai pas pris hier, mais sachez que je l'ai déjà dit à Estelle et Florence, mais j'ai fait un rêve sur BookTube. J'ai rêvé entre samedi et dimanche que avec Florence donc de Flow & Books et Estelle de Petite Lectrice on allait écumer les librairies. J'ai aucune idée de ce qu'on achetait mais on y allait ensemble et quand je me suis réveillée de mon rêve le dimanche matin, mais j'étais trop contente. J'étais trop contente, j'avais l'impression d'avoir passé un super moment qui ne s'est jamais déroulé manifestement, mais j'étais contente. Voilà. Du coup on va parler lecture parce que c'est un petit peu pour ça que vous êtes là. Alors j'ai reçu un petit colis qu'on ouvrira ensemble. J'ai reçu un manga que j'ai commandé. Hop, vous voyez ce colis là on va l'ouvrir ensemble après. Je sais ce que c'est. Et hier donc dimanche j'ai terminé Le Guerrier de Porcelaine qui avec sa jaquette est un peu plus jolie. Bien sûr, mais moi je l'enlève parce que franchement pour lire c'est chiant, ça glisse tout le temps, ça m'énerve. Je sais pas si vous faites pareil mais moi ça me saoule. Donc j'ai lu Le Guerrier de Porcelaine de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel et regardez pour voir si j'ai aimé. Oui, il y a des signés. Je sais pas si vous les voyez, je vois pas trop dans le retour mais il y a des signés parce que bah, il y a des phrases que j'ai souhaité garder, que j'ai notées. Vous savez j'ai un petit carnet de citations où je note les paragraphes, les phrases que je souhaite garder de mes lectures. Je l'ai depuis quelques années maintenant et il est même pas rempli à la moitié hein, vraiment je note vraiment très peu de choses mais voilà là-dedans il y en avait 2, 4, 7 voilà. Donc dans cette histoire nous suivons Ménou. Ménou c'est qui? C'est le père de Mathias Malzieu. Ménou vit avec ses parents au moment où on le rencontre, sa mère meurt. D'ailleurs c'est la première phrase, hein, je ne vous spoil strictement rien. C'est pas le prologue mais la première phrase du livre. Tu es morte cette nuit, le jour s'est levé quand même, Mireille ne l'a pas vue et je ne verrai jamais Mireille. Mireille c'est la petite sœur qui l'a
eu pendant un bref instant ou qu'il a failli avoir, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais voilà, sa mère était enceinte et elle a non seulement perdu son bébé, mais elle en est décédée. Et Menou se retrouve tout seul avec son père en pleine guerre avec l'Allemagne en 1944. Son père est dans l'armée, je crois. De toute façon, ils étaient beaucoup dans l'armée. Donc voilà, il était militaire. Et il peut pas s'occuper de Menou tout seul, voilà, c'est pas possible. Donc, sa seule solution, c'est de lui faire traverser la ligne ennemie et d'envoyer Menou vers la terre occupée par les Allemands chez sa grand-mère. Donc la mère de sa mère, chez sa grand-mère, avec son oncle Émile, sa tante Louise, et puis d'autres que je peux pas dire. Voilà. Mais c'était chouette, c'était très chouette, rien que le voyage en charrette, enfin il va dans une charrette à foin, il traverse cette ligne-là et on le voit qui compte les poteaux électriques, ça avait. On y était quoi, on y était presque, je sentais presque l'odeur du foin de la charrette. Et puis Menou, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui représente du coup son père, qui est son père. Alors c'est un récit de fiction, mais il y a des éléments quand même de vérité. Je peux vous le dire parce que j'ai participé du coup à la rencontre de Mathias Malzieu sur le Vlil et il nous a expliqué un petit peu ça. Le fond est globalement vrai, même s'il y a pas mal d'éléments de fiction. C'est-à-dire que lui, ça lui est arrivé vraiment son père à l'âge de 4 ans et là il en a 9. Ce qui est assez intéressant pour l'histoire parce que du coup on peut développer plus de choses. Du coup, avec les yeux de Menou, on va découvrir l'occupation allemande au sein même d'une petite ferme dans un petit village de France, de Lorraine. Et on va découvrir surtout comment se cacher les bombardements quasiment tous les soirs, où on se cache dans la cave transformée en bunker. On va découvrir un bout de résistance, on va découvrir plein de choses. Voilà, on va avoir plein de notions de résistance, de plein de choses, mais on est dans les yeux d'un petit garçon de 9 ans qui vient de perdre sa maman, donc qui est aussi en plein deuil et qui arrive dans cette occupation allemande terrible et il doit pas se faire prendre parce qu'en fait, ils pourraient tous finir fusillés, ils pourraient faire tuer toute sa famille parce qu'il a absolument pas à être là. Donc voilà, c'était très chouette, c'était l'un des romans que j'ai préféré de Mathias Malzieu. J'en ai lu pas mal. Je les ai pas tous lus parce que je me les garde un petit peu comme des petits bonbons à déguster. Je vous avoue, j'aime tellement cet auteur que c'est vrai que je le lis très lentement. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous en reparlerai peut-être plus tard, un peu moins à chaud. En fait, je sais pas si je continue à faire des updates lecture. Vu que j'en parle comme ça en vlog, je sais pas. Est-ce que vous regardez les updates lecture quand vous regardez un vlog? Je suis pas sûre. D'ailleurs, souvent les updates lecture, c'est les vidéos qui font le moins de vues, hein, donc on voit bien que c'est bizarre de dire que ça vous intéresse pas, mais globalement ça vous intéresse pas mes avis lecture. Mais c'est comme ça sur toutes les chaînes. Enfin, non, Luna, tu ne sautes pas sur la caméra. C'est comme ça sur toutes les chaînes. Donc voilà, je sais pas pourquoi vraiment les updates lecture sont moins vues. Peut-être que c'est aussi. Voilà, j'ai pas envie de faire de redondance avec le vlog, de vous en parler en vlog, en update lecture et tout, donc. Dites-moi en commentaire si vous préférez quand même que je fasse une vidéo update lecture de temps en temps. Il n'y en a pas eu depuis bien 2-3 mois, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, je peux le faire, mais voilà, il faut juste que je sache si ça vous intéresse quand même ou pas. C'est vrai que souvent, là, je vous donne mon avis à chaud et je me dis qu'après, il mature un peu et je réfléchis un peu plus et du coup, il est un peu plus profond souvent. Enfin, j'essaye. Pas toujours, mais voyez ce que je veux dire. Bref, une très bonne lecture. Si vous aimez l'auteur, donc si vous aimez Mathias Malzieu, clairement foncé, vous allez sûrement beaucoup aimer cette lecture. On y retrouve toute la poésie de l'auteur, les analogies, les métaphores qui ont fait, je pense, un peu sa célébrité aussi avec ses écrits. Et puis, écoutez, moi je suis très contente. Je garde les autres romans de Mathias Malzieu sous le coude pour les petits coups de blues là quand j'ai besoin d'un petit remontant. Parfait. Du coup, j'ai rien commencé d'autre pour le moment. J'aimerais lire Belle. Belle de Mamoru Hosoda aux éditions Pika. Vous savez, c'est cette réécriture moderne de La Belle et la Bête avec Suzu qui est lycéenne du 17 ans, qui vit avec son père dans une petite ville rurale au Japon. Et en gros, elle est refermée sur elle-même et elle va rejoindre la réalité
virtuelle, enfin alternative de You, un espace virtuel illimité sur internet où elle va arborer un avatar aux taches de rousseur nommé Belle. Et il y a toute une histoire un peu entre la Belle et la Bête, je pense. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais là vous avez, je pense, donc Belle, Suzu ici, Belle, et là ici il y a une forme de, un peu de dragon, un peu comme on pourrait en décrire la Bête. Donc on verra bien. Ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est une réinterprétation moderne de la Belle et la Bête, donc on verra bien. C'est écrit assez gros, ça devrait se lire assez vite. Et puis on est sur le roman adapté d'un film d'animation que j'ai très envie de voir du coup. Enfin si le livre me plaît, même s'il me plaît pas, je pense que je regarderai le film d'animation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Donc voilà, je vous en parlerai dans ce vlog. Ensuite on passe aux réceptions et ensuite je vais aller prendre ma douche. Parce qu'en plus demain je suis de garde, donc il faut absolument que je me lave les cheveux ce soir, vous saurez tout sur ma vie. J'ai acheté à tes côtés le tome 7 de Megumi Morino aux éditions Akata, parce que je me suis aperçue qu'en fait le tome 8 sortait là en janvier, que je l'avais précommandé mais que je n'avais pas le tome 7. Je me suis arrêtée au tome 6. C'est ça, au tome 6. J'ai pas encore lu le tome. Je crois que j'ai pas encore lu les tomes 5, 6 et du coup 7 et bientôt 8. Bientôt 4 tomes de retard, mais c'est excellent, je vais pouvoir les enchaîner, c'est trop bien. J'adore faire ça. En fait, j'aime beaucoup adorer un manga, enfin une saga de manga pendant 3-4 tomes, et puis après l'oublier, attendre, et pouvoir tous me les faire. Ça c'est trop bien. Donc voilà, je vais sûrement bientôt me replonger dedans, je vous en parlerai aussi, voir si la suite est à la hauteur du début. Puis ensuite on va ouvrir un carton qui s'ouvre par où? Ça me vient de Urban Comics. Donc la maison d'édition Urban Comics. Le nez, elle est assez... C'est lourd, hein. Waouh. Je me souvenais plus qu'il y en avait deux, en fait. Donc, hop. Voilà. On est avec leur sortie, là, ils sont sortis quand? Le 21 janvier, on est le 24, donc la semaine dernière. Donc c'est Something is Killing the Children. Donc le tome 1, c'est celui-ci. Le tome 2, celui-ci. Ils sont très jolis. Et donc c'est de James Tynion... et Werver d'Eldera, donc The Angel of Archer's Peak et là The House of Slaughter. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça donne, je vous en parlerai très vite hein, vu que je viens de les recevoir. Il me semble qu'il y a un tome 3 ou qu'il y a un tome 3 qui va sortir. Ils sont assez légers, franchement ils sont assez légers, ils font moins lourds que ceux que j'ai l'habitude d'acheter avec j'achète beaucoup de Harley Quinn en fait moi de mon côté. Et oui bah voilà, il y a un tome 3. Je pense que les trois sont sortis en même temps. Je pense. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Lorsque les enfants de la petite ville d'Archer's Peak disparaissent les uns après les autres, la peur, la colère et la suspicion envahissent l'entourage des victimes et laissent la police locale dans le plus grand désarroi. Aussi, quand le seul James... Non, pardon. Aussi, quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses trois camarades, sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre, le coupable semble tout trouver. Et du coup, on va avoir Erika Slaughter, qui est tueuse de monstres, capable de voir l'impensable. Interesting. Bon bah écoutez, on verra bien. De toute évidence, si j'aime bien, ça veut dire qu'il faut que je m'achète le tome 3. Du coup, vu qu'il est sorti en même temps, il s'appelle The Game of Nothing. Il a l'air cool aussi. Donc voilà. On va découvrir ça. Et puis on verra bien. Hop, ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous les découvrez aussi, ça peut être intéressant. Pour info, il me semble que les deux tomes là, il me semble qu'ils les vendent en lot. Donc le tome 1, tome 2, pour... 10€ je crois, franchement pas cher. Et après je comprends, ils sont assez légers tous les deux par rapport à leurs éditions habituelles, je veux dire, enfin par rapport à leurs ouvrages habituels, ils sont assez fins en fait. Donc voilà, je crois qu'ils sont tous les deux à 10€, mais j'y mettrai pas ma main à couper, donc n'hésitez pas à vérifier. Voilà pour moi, je vais filer sous la douche et puis bah écoutez, je vous reprendrai pas demain parce que je suis de garde, mais je reviendrai papoter un petit peu avec vous sûrement mercredi pour vous dire comment j'ai avancé dans mes lectures et puis vous montrer les réceptions s'il y en a encore. N'hésitez pas à me dire du coup pour les updates lectures, je compte sur vous en commentaire et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi.
Coucou tout le monde, je me suis aperçue que cette semaine j'ai très peu filmé, voilà. Aujourd'hui j'ai sorti le book haul, donc je savais que j'avais pas de vlog à sortir aujourd'hui. Du coup je crois que j'ai occulté le vlog, j'ai oublié. Je viens de m'installer tranquillement avec un petit café dans ma super tasse là-haut. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est juste magnifique. C'est un cadeau. C'est un super cadeau que je n'oublie pas. Si jamais tu passes par là, tu vois, je l'aime toujours autant. Je suis en train de lire Belle depuis lundi, je pense. Et j'ai pas avancé. On est page 48. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps. Lundi, c'était ma reprise. Donc voilà, le soir, j'avais un peu mal au pied et tout. Mais en même temps, il y a plein de trucs à faire. Le mardi, j'étais de garde. Mercredi, j'étais explosée. J'ai dormi, objectivement. Jeudi, on a eu l'état des lieux. Nous ne sommes officiellement plus locataires. Et ça, c'est trop bien. Et on pensait qu'elle allait vraiment embêter le monde jusqu'au bout, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça a été très compliqué avec la proprio depuis 6 ans, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Salut Luna, Luna, princesse de cette vidéo, bonjour. C'est quoi cette tête? Et voilà, on pensait que ça allait être très très compliqué. Finalement, en fait, elle a donné rendez-vous en même temps au nouveau locataire. Donc en fait, pour faire l'état des lieux, c'était très simple. Elle n'allait pas dire, ah bah ça va pas, étant donné qu'elle louait le lendemain. En fait, donc elle allait pas dire ah bah ça va pas devant les nouveaux locataires qui allaient y entrer, déménager le week-end deux jours après quoi. Donc en fait, très très bien, on est même reparti avec la caution, donc je suis extrêmement contente de cet arrangement parce que j'avais un peu peur en fait que ça se passe pas bien, pour être tout à fait honnête avec vous. On n'y est pas allé rassurer hein, avec Victor, ça c'est clair, mais au final on en est revenu très content. Donc voilà, pour Belle, j'ai lu deux chapitres, hein, c'est de Mamoru Hosoda. Dans Belle, on débute dans le monde virtuel de You. On découvre Belle juchée sur une baleine qui chante. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis après, on découvre, c'est Suzu, je crois. Donc Suzu, c'est la lycéenne derrière le visage de Belle, qui habite en fait dans un petit village, mais extrêmement petit, hein, tout petit. Et voilà, qu'on apprend à découvrir pour l'instant. J'en suis là avec Luna, j'aimerais bien continuer aujourd'hui. Là, je viens de regarder ma série sur Vicky. En ce moment, mon drama, c'est utilisateur non trouvé, unfound user ou quelque chose comme ça. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était globalement une loser dans son ancienne école, qui est transférée et qui va tout faire pour être populaire, sauf qu'elle s'aperçoit pas qu'en fait elles sont deux jeunes filles avec quasiment le même nom à être transférées quasiment en même temps, et elle va être prise pour la nana super populaire de l'ancien lycée et non pas pour la nana un peu bizarre qu'elle était en fait. Donc voilà, c'est pas très palpitant, mais étant donné qu'un épisode dure 12-15 minutes, franchement quand je mange toute seule et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, et sinon j'étais en train d'essayer de regarder Séverine sur la télé, mais ma Chromecast a bugué de toute évidence. Ça a planté quand je vous parlais. Regardez, c'est aussi simple que ça. Donc du coup je vais la remettre et puis je vous reprends. Salut Lana. Recoucou, donc je vais faire cette session de Séverine, il reste déjà que 25 minutes. Elle pense que je lis, mais elle verra bien dans ce vlog que je ne lis pas. Et du coup on a Luna. On a un peu de bazar et puis là-haut on a en fait Séverine, si tu passes par ici, alors c'est flou, voilà. Séverine, si tu passes par ici, du coup tu me regardes en train de te regarder parce qu'on est dans Inception. J'aime bien faire ça de temps en temps, je trouve ça très drôle. Et puis le mettre sur le grand écran, ça me permet de rester. Alors comme on est dimanche, je vous l'ai pas dit, mais on est dimanche 30 janvier, et je vous avoue que moi le dimanche j'aime bien lire tranquillement au lit, puis après aller dans ma bibliothèque, puis après revenir dans le lit, enfin voilà, j'aime bien osciller entre les deux pièces. J'adore cette maison, elle est méga lumineuse, c'est trop bien, et peu importe si je suis dans la chambre ou dans la bibliothèque, il y a beaucoup de lumière, donc c'est trop bien. Et là Victor a eu un fauteuil qu'il aimait énormément, qui a été refait, et du coup on l'a mis dans la véranda, et maintenant je m'installe sur le fauteuil dans la véranda devant le jardin, c'est juste un plaisir.
rien que... Enfin, j'adore même sortir rien qu'à 23h quand j'ai oublié un truc dans la voiture. Enfin, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, sur la terrasse, quand il n'y a pas trop de nuages, vous voyez énormément d'étoiles dans le ciel. Et ça, c'est un truc... Enfin, je suis en pleine ville, les gars, quand même. Imaginez que niveau pollution lumineuse, de mon côté, dans mon quartier, c'est pas si mauvais que ça. Parce que ben, je vois plein d'étoiles, mais énormément d'étoiles. Et c'est quelque chose qui me manquait énormément. Forcément, j'en vois plus quand je suis chez mes parents qui habitent à la campagne. Évidemment, mais là j'en vois quand même pas mal et ça c'est trop chouette. Je suis contente d'avoir retrouvé ça en fait. Et surtout un extérieur parce que je me dis, là on est en janvier, imaginez au printemps, je vais pouvoir sortir mon linge dehors. Mais rien que des conneries, mais des trucs que je pouvais pas faire. Je vais pouvoir sortir mon linge, le faire sécher dehors. Je vais pouvoir m'installer sur la terrasse avec un livre. Je vais pouvoir manger dehors, le truc incroyable. Enfin j'ai jamais fait ça chez moi avant, je n'ai jamais eu d'extérieur chez moi avant en fait. Jamais, jamais. Et du coup, enfin rien que ça, j'ai même regardé pour dans 10 ans le prix des spas et tout, j'ai jamais dit que j'allais en acheter un, juste j'ai regardé en mode oh, on pourra en mettre un là plus tard. Ouais, je suis à ce niveau là, je suis assez fan de notre nouveau mode de vie et du coup j'en oublie de vlogger parce que, bah, parce que je passe mon temps à être heureuse en fait. Même si franchement le travail il a repris, mais je me suis pris mon travail en pleine tronche. Ma cheville a pas mal souffert lundi, mardi. Je trouvais que mardi en fait j'allais mieux et puis en fait comme j'étais de garde le soir, le mercredi, je peux vous assurer que j'ai bien douillé. Par contre jeudi, vendredi je suis rentrée, il était 20h. Ouais à peu près. Franchement ça m'a saoulée, mais j'avais moins mal. Et là même je trouve que je marche de plus en plus normalement. Donc clairement je continue un peu les exercices de kiné et tout. Mais je pense que ça va s'améliorer. Donc ça c'est la bonne nouvelle de ce vlog. Sinon donc je veux continuer belle là. Je vais essayer de pas trop blablater. Mais en même temps j'ai pas filmé de la semaine. Donc il faut bien que je rattrape. Et puis j'aimerais bien lire, peut-être ce soir, Orimiya, le tome 2, donc de Hiro et Daisuke Hagiwara, aux éditions Nobi Nobi. Je vous avais parlé du tome 1 dans le précédent vlog et sur Instagram. Donc voilà, j'aimerais bien lire le tome 2 parce que je l'ai toujours pas lu. Et sinon, je pense que je vais vous montrer mes réceptions. Ensuite, comme ça, je vais lire tranquillement. Je crois que c'est à 18h que j'ai une rencontre Vlil. Je crois. À la base, j'avais prévu de filmer une vidéo pour mercredi. Je voulais filmer les sorties littéraires. Mais en fait, je me suis aperçue que mon robot qui lave les sols avait pas, était resté bloqué dans un coin. Et du coup, il a pas tout fait. Donc j'ai pris le balai, je l'ai fait moi-même en fait, parce que ça m'a saoulée. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Là, il est déjà 16h. Et en fait, techniquement, il faudrait que je me prépare. Il faudrait que je fasse plein de choses et tout. Et... j'ai pas envie, on est dimanche et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est le seul vrai week-end que j'ai pour les 3 prochaines semaines je crois. Parce que la semaine prochaine je travaille, je suis de garde demain, donc lundi et vendredi, samedi matin. La semaine d'après je suis de garde tout le week-end, donc samedi après-midi, dimanche et j'enchaîne sur le lundi et la semaine. Mais j'ai posé quelques repos mais je sais pas s'ils vont passer du coup. On verra bien, parce que en fait en général j'arrive pas moi, à enchaîner la semaine avec le week-end de garde, j'arrive pas en fait. Ça vous fait enchaîner 2 semaines avec une matinée de repos. En gros vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en sachant que je suis de garde un mercredi soir je crois juste avant. Donc genre je fais la garde mercredi soir, je fais samedi après-midi, dimanche, et après dimanche, donc c'est jusqu'au lundi 9h, et lundi 9h tu recommences ta semaine jusqu'au vendredi soir. Je peux pas, j'en suis incapable. Je pense que je vais exploser si je peux pas du tout prendre de repos. J'ai au moins posé le mardi. Après je sais pas si mon lundi après-midi je pourrais le poser ou pas, mais je pense que mon mardi on me le donnera. Je pense que ça sera possible et franchement je pense que j'en ai énormément besoin. J'en aurai énormément besoin parce que là pour l'instant ça va. Et après le week-end d'après ça va. Et on va enfin pouvoir fêter l'anniversaire de ma mère parce qu'elle est née le 13 février qui tombait un dimanche. Donc c'était trop bien, on pouvait le faire le jour même de son anniversaire. Sauf que je suis de garde. Donc on a décidé de le faire la semaine d'après et puis c'est tout. Et puis fin février, le dernier week-end, je fais aussi vendredi, samedi matin. En gros, je vais passer 3 week-ends sur 4 à l'hôpital. Enfin 3 bouts de week-end, hein. Bien sûr, c'est pas toujours tout le week-end. Mais voilà, j'aurai un vrai week-end le samedi dimanche où on fête l'anniversaire de ma mère. Donc globalement... je sens que je vais avoir besoin de la lumière de la maison pour pas être trop crevée. Mais voilà, vous voyez, je le vois plutôt bien. Petite Luna qui dort. Du coup, je vais vous montrer mes réceptions. Et puis, écoutez, après, je vais lire tranquillement. Puis m'occuper, faudrait que je m'occupe du linge et tout ça aussi après. Parce que c'est encore un peu le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger. Je me suis pris, alors je suis trop contente parce que je les ai trouvés. Ils sont en rupture de stock un peu partout. Et je les ai trouvés dans une petite librairie indé. Je me suis pris le coffret Demon Slayer, donc tome 1 à 3.
de Koyoharu Gotoga. Donc le coffret collector 1 à 3 et le coffret collector 4 à 6. Enfin voilà, je me suis dit, quitte à les acheter, autant me prendre les coffrets collector en fait et puis les acheter 3 par 3. Ça revient un peu au même, sauf que bah, vous avez le coffret en même temps. Ça revient au même prix hein, pour le coup. Et puis le tome 1, enfin les tomes 1 à 3 étaient plus du tout dispo en ligne. Ils étaient en rupture de stock. Enfin voilà, je pense qu'il y a un nombre un peu limité à un moment donné. Ou alors ils les ont pas refait, j'en sais rien. Mais voilà, je suis trop contente de les avoir trouvés parce que ça va. Ça va me permettre de les découvrir en manga. J'ai vu la première saison en animé, j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'en manga, bah, il y a des trucs en plus ou je sais pas. Et j'avais bien envie de continuer en manga pour pouvoir avancer un peu plus vite que ce que je regarde au niveau de la série. Ensuite, je me suis acheté. Oh là là, ça a failli tomber sur Luna. Je me suis acheté Nos héros sont malades du docteur Christophe Debien que je connais un peu, que j'ai déjà rencontré. C'est un médecin psychiatre à l'hôpital de Lille qui fait aussi une chaîne YouTube, donc PsyLab, que j'aime beaucoup. Donc c'est illustré par Ben Fligans. Donc oh là, je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Là, il y a une alternance texte et illustration. Et en gros. Je vous montre, hein, mais on reprend un peu ce qui se passe dans la tête d'Hannibal Lecter, dans celle de Rambo, celle de Tony Soprano, Dexter, le rire du Joker, etc. Enfin, vous voyez, ça a l'air trop trop bien. Enfin, moi, je trouvais ça trop bien d'avoir un psychiatre qui analyse les personnages de fiction. On va voir si on est d'accord, en fait. C'est un petit peu ça que je me dis. C'est que je vais voir un peu si je suis d'accord avec lui. Ensuite, je me suis acheté d'occasion. Là, je suis trop contente de l'avoir trouvé d'occasion, je vous l'avoue. Comme ça, j'ai dû le payer 10 euros alors qu'il en fait 23. Je suis très contente de cet achat. Je me suis acheté Les Temps ultra-modernes de Laurent Genefort aux éditions Albert Michel Imaginaire. La couverture est à tomber, je trouve. Je crois qu'on est dans une sorte de steampunk. Je vous mets le résumé si vous voulez, si ça vous intéresse. Hop! Ensuite, trop contente, je peux continuer la saga, mais je crois que j'ai les tomes 6, 7 et 8 du coup à lire. Je me suis pris le tome 8 de À tes côtés qui vient juste de sortir, donc de Megumi Molino. Je savais pas qu'il avait été élu meilleur shoujo Kodansha Manga Awards, c'est trop cool, aux éditions Akata. Et je sais toujours pas en combien de tomes est cette saga, mais moi ça me dérange pas, ils peuvent continuer jusqu'à la fin des temps. Enfin, sauf quand ça commencera à être le tome de trop, bien sûr, mais. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'aime tellement la saga que ça ne me dérange pas plus que ça. Et ensuite, j'ai reçu des éditions Dupuis absolument normales. Donc le tome 3, tous ensemble, de Toussaint, Martuccello et Pizzetti. Et là, on est sur le tome qui conclut l'histoire. Donc moi, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Le tome 2, je l'avais gardé sous le coude pour pouvoir l'enchaîner avec le tome 3 une fois que je l'aurais reçu. Donc vous allez en entendre parler bientôt parce que je vais me les refaire. Voilà. C'est tout pour les réceptions, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai fait pas mal d'achats, vous l'avez vu dans le book haul de janvier que je vous ai posté bah, hier. Clairement, je me suis lâchée, ça on est tout à fait d'accord. Maintenant, faut mettre dans son contexte, j'avais rien acheté en décembre, en novembre quasi, enfin beaucoup moins. Je m'étais beaucoup restreinte ces derniers mois en prévision du déménagement et du coup là, bah ouais, je me suis fait plaisir en fait. Voilà, j'étais contente et quand je suis. Après, je dis toujours, c'est quand je vais moins bien que j'achète. Mais en effet, ma première sortie en librairie avec ma cheville défoncée, clairement, je me suis pas restreinte, quoi. J'avais envie d'acheter, j'ai acheté, point. Donc voilà, je vais lire Belle pour 15 minutes. Il reste plus que 15 minutes maintenant que je blablate. J'ai commencé à. Ouais, il y a 20 minutes. Bon, bah c'est bien. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous reprends ce soir et puis j'espère un peu demain, mardi, avant de vous le poster. Je pense mercredi parce que les sorties littéraires, ça sortira du coup samedi, dimanche d'après. Parce que j'ai pas le temps de les filmer et je pense que je filmerai plutôt jeudi, vendredi en rentrant tranquillement. Voilà. Pas vendredi, je travaille aussi. Bah, jeudi. Mercredi ou jeudi, je filmerai les sorties littéraires et comme ça, je les posterai samedi ou dimanche. Et puis voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est toujours dimanche. Il est 18h et je me suis endormie. C'est pour ça que j'ai pas allumé la lumière, c'est pour vous montrer à quel point je me suis réveillée tard. Alors en vrai, j'ai dormi, je pense, une demi-heure, ça m'a fait du bien, la petite siestouille là, c'est bien. Et puis faut pas dépasser, moi je dis toujours à mes patients de pas dépasser
20-30 minutes dans la sieste, sinon t'es paumé, hein, sinon c'est fini. Mais du coup, ça va me faire du bien. Après, j'ai regardé un peu ma semaine parce que bah faut gérer l'anxiété du dimanche soir. Je pense que on est beaucoup à savoir de quoi je parle. Et en fait, j'ai deux gardes, ok, mais je pense que la semaine va être ok. Voilà, je me suis, en fait, en regardant mon agenda professionnel, je me suis dit, alors là, tu fais ta vidéo, là tu peux lire, là t'as la grande librairie, enfin voilà, je me suis aussi projetée dans d'autres trucs, des passions et tout, et franchement je vous conseille ça, c'est-à-dire ne pas voir votre agenda professionnel uniquement pour ce qu'il est, c'est-à-dire professionnel, mais aussi comment vous pouvez articuler vos passions avec. Parfois on a trop tendance à séparer un agenda pro et un agenda perso, et du coup c'est compliqué. Et je trouve que entremêler les deux, ça vous montre aussi qu'il y a des moments de plaisir qui arrivent en fait, et ça c'est cool. Donc bref, ce que je vais faire là, c'est que je vais changer les draps, les mettre à laver, enfin mettre la machine en route, prendre une douche, parce que voilà, la fameuse douche du dimanche soir avant de reprendre le lundi. Et à 19h, j'ai un vlil avec une rencontre, je ne me souviens plus de qui. Parce que je m'inscris à tous les vlogs quasiment pour rencontrer tout le monde. En plus là j'ai un peu de couture à faire, alors un peu de couture, attention un grand mot, moi je sais pas coudre quasiment, mais recoudre un bouton c'est dans mes compétences, et tous mes gilets en ce moment perdent leurs boutons, je sais pas pourquoi. Et pareil, le manteau de Victor a perdu deux boutons. Donc je vais faire ça en écoutant l'auteur parler de son bouquin. Et je vais me dépêcher. Du coup, il n'y a pas eu de goûter. Hein. Je dormais pendant le goûter. Donc clairement, les petites crêpes saveur vanille que m'a donné ma mère, ça va être soit la prochaine fois, soit pour le dessert. Faut que je regarde jusqu'à quand elles vont. Donc voilà, il est 18h07. Wow, je viens de vous éblouir, hein. Il est 18h07, je vais faire tout ça, et sinon dans Belle j'ai un peu avancé quand même, et j'ai vu comment Suzu avait découvert You et comment elle avait lancé cette Belle qui chante, qui est magnifique. Elle n'arrive plus à chanter dans la vraie vie suite à un traumatisme, on va dire, enfin c'est lié à un traumatisme psychique. Et dans You, elle chante, et elle chante bien, parce qu'elle sait bien chanter Suzu de base, mais elle a un gros blocage psychologique, et ça c'est super intéressant. Voilà, j'ai hâte de poursuivre cette histoire. Je vous fais des bisous, je vous reprends tout à l'heure. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi 31 janvier. Il est 22h09 et je suis dans la chambre de garde. Comme vous voyez, c'est pas méga faramineux. Du coup, j'ai mes deux téléphones plus le mien là que vous avez. Et je vais lire un peu Belle, voir si on me rappelle pas sur la garde et voir si je peux dormir. Voilà. Du coup, bah, j'espère que ça va aller. Normalement, ce vlog, il est prévu pour mercredi. J'espère que demain, j'aurai la foi de le monter. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis parce que Victor est en répétition demain soir. Donc, je suis toute seule de toute façon. Donc, ça devrait aller. Et là, enfin, dans l'histoire de Belle, c'est plutôt cool parce que du coup, on a découvert Suzu par rapport à Belle. Et puis surtout, on a rencontré pour la première fois le dragon. Et j'ai un peu ma petite idée sur qui il est, mais bon, on verra bien. En tout cas, pour le moment, c'est très chouette. Il y a un moment où j'ai pas compris dans le roman. On est passé d'une scène à l'autre et il n'y avait rien pour couper les deux. Et j'étais un peu paumée. Donc est-ce que c'est moi qui ai mal compris et qui ai sauté une ligne, ou je sais pas. Mais quand je suis revenue, j'ai toujours pas compris. Dommage, mais ça arrivait qu'une seule fois, donc c'est pas pour ça que c'est pas bien. Après, c'est quand même un roman d'après le film 2, et je sais pas, c'est pas écrit pareil du coup. C'est un roman de base, je trouve. Surtout que du coup, ça a été traduit du japonais, et puis c'est déjà d'un film, enfin, adaptation française des chansons. Enfin voilà, moi souvent, quand je regarde un film d'animation, c'est vrai que je le regarde en japonais avec les sous-titres français parce que je trouve qu'il y a une certaine magie là-dedans. Voilà, écoutez, j'espère que ça va me plaire. J'aimerais bien le terminer là bientôt, et il faudrait que je fasse ma pile à lire pour février, voir un peu si j'ai de quoi faire le challenge d'Audrey du souffle des mots pour petit mois, petite lecture, ça me dirait bien. Donc voilà,
Je vais lire un petit peu. Je vais sûrement lire un peu de Tradition d'Olympus aussi, que je continue toujours sur Webtoon. J'adore. J'aime trop. C'est l'or Olympus, hein, mais voilà, en français, sur Webtoon, c'est Tradition d'Olympus. Et j'aime beaucoup trop. Et j'ai aussi repris True Beauty. J'avais arrêté parce qu'en fait, elle avait été, enfin, dans le Webtoon, elle va dans la direction que je veux. Je sais pas si vous avez vu le drama, mais dans le drama, elle laisse pas. En fait, c'est un genre de triangle amoureux. Et elle laisse pas sa chance à celui que je préfère. Et ça m'a saoulée. Et là, dans le Webtoon, bah si. Donc en fait, j'ai vraiment préféré le Webtoon pour le coup. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah, je clôturerai le vlog demain. Des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 1er février. C'est fini, vous pouvez arrêter de dire bonne année. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je viens de rentrer du coup du travail, j'y étais depuis hier 9h, vous l'avez vu, hein, je vous ai pris un petit peu hier soir. J'ai pu avancer un petit peu dans Belle. Un petit peu, ça veut dire qu'il me reste moins de 100 pages à lire, donc je vais le terminer ce soir, je suis trop contente. Mais comme il faut que je monte ce vlog avant, bah, vous n'aurez pas mon avis final. Mais je peux vous dire à 200 pages que j'aime bien, vraiment c'est sympa. En fait, si vous voulez, j'ai bien aimé parce qu'on retrouve certaines scènes cultes de La Belle et la Bête. Donc en effet, on est dans une réécriture, mais vraiment moderne pour le coup. Vous savez, ce moment où il y a la bête dans son château qui lui demande de sortir, je sais plus comment il dit ça, mais là-dedans, en tout cas, c'est va-t'en, voilà, contre Belle, et on voit bien qu'il est quand même amoureux d'elle, machin. On a une petite scène de bal, des choses comme ça, enfin bref. J'ai ma petite idée sur qui est la bête, je pense, parce qu'il y a un parallèle quand même avec. Avec sa vie de base, sa vie normale. Mais à l'occasion, je me plante tout à fait. Hein, c'est tout à fait possible, carrément. Mais voilà, il me reste 80 pages, je pense. Ouais, 70 pages. Donc je vais finir ça ce soir après avoir monté le vlog. Et je vous donnerai du coup mon avis en update lecture. Voilà, mon avis final en update lecture, si jamais ça m'a pas plu. Je suis par terre pour vous montrer des choses. J'ai reçu une petite lettre, je sais très bien ce que c'est, et puis j'ai reçu un. Oula, j'ai reçu un livre. Je suis désolée, j'avais oublié de cadrer. Pardon. J'espère que vous allez bien en tout cas et que cette semaine se déroule bien pour vous. Exceptionnellement, du coup, je vais vous mettre le vlog demain parce que clairement, j'ai pas la foi de filmer une vidéo pour demain là. Donc les sorties littéraires, normalement, vous devriez les avoir samedi ou dimanche. Et puis après, je vais voir si je me fais pas le challenge. Enfin, le petit mois, petite lecture d'Audrey. Je vais réfléchir un peu à des bouquins. C'est pour ça aussi, ce soir, ce que je veux faire, c'est au moins faire ma pile à lire pour ce challenge-là. Et puis vous la poster bah, la semaine prochaine. On va faire ça. J'aime bien lire des petits livres en plus. Donc, j'en ai plein là. J'en vois plein. Donc, faut moins de 200 pages. Je sens que je vais y arriver. Je vous montre. Hein, voilà, je regarde ça là. J'en ai pas mal. Donc, voilà. Et du coup, on va passer face sol. Le sol, en plus, vous verrez, il est beau, il est tout bleu, bleu pastel. Donc, on va passer face sol et je vais vous montrer mon achat de cette semaine. Je vous montre ça. Donc, achat de cette semaine. Vous voyez, mon sol, il est tout bleu. Alors, il y a des petites traces là, mais sinon, il est tout bleu. Ouais, ça, c'est pas de la poussière, hein. C'est un petit coup sur le sol. Donc, j'ai acheté la petite boutique au poison de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Il me faisait super envie. Regardez-moi cette couverture de dingue. Franchement, depuis que j'ai vu la couverture, il me faisait super envie. Et vous le savez, j'ai pas forcément lu le dernier Faubourg Marigny que j'avais reçu. Donc, je l'ai acheté. Je ne veux pas demander à la maison d'édition. Il y en a plusieurs pour lesquels j'ai fait ça parce que, bah, je trouve ça plus logique. Je vous mets le résumé. Je l'ai vu un peu passer, notamment chez Stéphanie de Piquity Bookin, mais je vous avoue que j'ai fui sa chronique, j'ai fui la chronique, enfin toutes les chroniques que j'ai pu croiser, parce que je veux pas savoir, en fait. Je veux pas savoir ce qu'ils en ont pensé, je veux juste le lire. Donc voilà, moi il me faisait super envie, il a l'air vraiment très chouette. Et sinon, du coup, on va ouvrir la petite enveloppe que j'ai reçue. Hop, donc pré-ouvert, c'est mieux. Hop. Ça me vient donc, je vous montre, de Léa Book Addict qui a sorti sa, enfin, qui a créé sa petite boutique en ligne de marque-page. Je vous mets un petit peu, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Léa bien évidemment. Et puis voilà, sur son site pour la petite boutique. Et du coup, oh c'est bien emballé, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Hop, je vous montre ça. Si j'y arrive à une main, c'est pas évident. Je vous avoue. Hop. Bon, je suis désolée, j'ai arraché ton petit
Voilà, on a un petit marque-page sur le thème vraiment de l'automne. Il est magnifique, je trouve. Et là, je viens de voir sur sa story qu'elle est en train de faire des marque-pages sur le thème de l'hiver. Ils sont juste absolument magnifiques. Celui-ci, je l'aime trop. Il est vraiment trop joli. Hein. Et au niveau, franchement, au niveau qualité, il est doux, en fait. Vraiment, le papier est doux. Jamais dit hein, qu'un marque-page était doux, mais je vous assure qu'il est doux. Non, mais regardez. Voilà. On a le sponsor des marque-pages, il est là, quoi. Hein, Luna? Aucune réaction. Très bien. Donc voilà, le marque-page est vraiment tout doux. C'est incroyable. Et je trouve que la qualité d'impression, enfin, vous voyez les reflets et tout, c'est magnifique. Vraiment, Léa, tu fais un travail de dingue. Et il n'est pas exclu que je me commande du coup les marque-pages sur le thème de l'hiver que j'ai trouvé absolument magnifique tout à l'heure sur sa story. Vraiment, il n'est pas exclu que je me les commande du coup parce que là, quand je vois la qualité, merci beaucoup pour l'envoi Léa, ça me fait extrêmement plaisir. Et franchement, quand je vois la qualité, j'ai très envie d'en avoir d'autres. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vais terminer belle ce soir. Je voulais dire, il ne me reste pas beaucoup, beaucoup. Il me reste, voilà, on est à page 200, il me reste pas grand chose, je vais le terminer ce soir, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous en reparler en update lecture aussi, ça serait bien que j'en fasse un, parce que ça fait très longtemps, ça doit faire depuis novembre que je n'ai pas fait d'update lecture, donc c'est un peu dommage, mais ça a été la force des choses, voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça, sachez que je continue aussi encore le webtoon Lore Olympus, hein, Tradition d'Olympus en français. Que j'adore, mais vraiment j'aime beaucoup cette histoire entre Hadès et Perséphone, j'aime trop. Et j'ai bon espoir que dans les prochains vlogs, vous voyez un peu plus de livres, parce que si je me mets au petit mois, petite lecture, je vais lire plus de BD, plus de manga et puis plus de petits livres. Clairement, quand les livres sont petits, c'est vrai que vous pouvez en lire pas mal. Donc voilà, je vous attends dans le prochain vlog pour vous parler de tout ça. Surtout que j'aurai terminé celui-ci, donc on va commencer avec une nouvelle lecture dans le prochain vlog. J'ai hâte. Je sais pas par quoi je vais continuer, mais j'ai hâte de choisir en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça sera toujours adorable de votre part. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.